Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Comme pas mal de monde sur internet, j'ai vachement entendu parler du groupe PNL. Et PNL, moi, en tant que bon gars de l'électro, je me dis direct. Le dernier rappeur que j'ai entendu avec trois lettres, c'est soit un rappeur aux cheveux longs, aux mimiques bizarres et à la dentition un peu étrange, ou encore un poète des temps modernes. On m'appelle l'avenir. Du coup, qu'on me dise qu'il y avait un troisième lot de mousquetaires comme ça, ça me faisait un peu peur. Surtout que le seul son que j'avais écouté d'eux à ce moment-là, c'était Da. Crostas qui déboule sur mon arbre, je les prends en le. Je tacle à la gorge comme un pipi PNL, voilà, pum pum. Avec un clip qui, je trouvais, avait rien de spécial. En dehors du singe dans le clip, ça, c'était rigolo. Et le morceau, sans plus, non plus. Et ayant vu la caricature du Palma Show sur PNL, Roxy Rookie était ami pour la vie, mais en fait, à la fin, ils sont plus amis pour la vie. Je m'attendais au pire. Next. Puis, comme beaucoup de monde également, j'ai commencé à voir des affiches monstrueuses de PNL dans la rue. Ce genre d'affiche, quoi. Le truc fait à peu près la taille d'un immeuble. Ou encore dans le métro. Et là, tu te dis, tu vois, les mecs, ils commencent à devenir gros, quand même. Mais toujours en tant que bon mec de l'électro, que nini, je me renseignais toujours pas sur les types et restais à écouter mon boum 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 habituel. Jusqu'à il y a une semaine, clou du spectacle, j'apprends que Dio va jouer à un festival au mois d'avril. Mais le festival en question, si tu veux, c'est pas le festival de l'huître qui a lieu en Belgique tous les ans, ni même encore des Garo Rock, Vieille Charrue ou même le Tour Festival qui sont déjà pourtant des festivals sacrément cool. Non, 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 les types vont jouer au Coachella Festival. Et les gars, si ça vous dit rien ce festival, c'est juste un des plus grands et réputés festivals au monde. Les artistes français, il y en a pas non plus énormément qui y ont joué. Mais par exemple, à Coachella, tu vois, c'est la qu'en 2007, les Daft Punk ont lâché un de leurs plus gros concerts. Et sûrement le plus gros concert qui a pu se passer à Coachella d'ailleurs. Daft Punk, les mecs les plus solides en musique de l'univers. À 10 ans près, nos rappeurs aux cheveux lissés pouvaient leur taper le check, quoi. Normal. Et cet été, ce sera à côté de Beyoncé, DJ Snake et d'autres monstres qui vont jouer, quoi. Normal aussi. Vous comprendrez donc que malgré tous les a priori du monde qu'on peut avoir sur eux, ça valait la peine d'un peu se pencher sur leur musique, ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Donc vous l'avez deviné, je les connais pas depuis 1000 ans, ces mecs. Et justement, tant mieux, je pense que ça va permettre d'avoir un œil à peu près neutre sur eux. Et en même temps, ce qui est fou avec eux, c'est que t'as beau les connaître depuis plus longtemps que moi, bah aura pas forcément plus d'informations sur eux. Je m'explique. Ces types, en fait, le parallèle que j'ai fait avec les Daft Punk tout à l'heure, c'était plutôt intéressant, parce que je trouve qu'ils fonctionnent un peu de la même façon. Non pas que leur voix est totalement trafiquée avec de l'autotune, chose qu'ils assument complètement d'ailleurs. Ademo, un des deux membres du groupe, avait avoué dans une des très rares interviews qu'ils ont bien voulu donner, que sans autotune, bah de toute façon, les mecs, ils sont finis. Non, le rapport avec les Daft Punk, c'est plutôt par rapport au mythe qu'ils entretiennent sur leur image. Ils sont pas masqués, mais pas plus bavards pour autant. Zéro interview, zéro émission, zéro conférence, zéro radio. Nada, chi, ils veulent rien lâcher. Pas de séance photo non plus. Je disais un truc comme quoi le type qui a fait la pochette de leur dernier album les a même pas rencontrés. Ils lui ont même pas envoyé une photo, que dalle, c'était démerde-toi, fais-nous une pochette et voilà. Un peu à la façon du duo masqué, on dirait qu'ils préfèrent faire parler leur musique plutôt que de blablater par-dessus. Après, ils sont un peu moins extrêmes tout de même, étant donné qu'ils s'y filent pas mal sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Alors que les Daft Punk, les seuls trucs qu'ils peuvent faire sur Facebook actuellement, c'est poster des pubs pour des produits de plus en plus dérivés. En même temps, depuis le temps qu'ils sont au top dans le game, ces types, normal, ils en ont plus rien à foutre de se faire de la promo. Bref, PNL, ils ont sorti deux albums seulement. Le premier, QLF, qui a pas fait spécialement de vagues, comparé justement au deuxième, Dans la légende, qui en une semaine était déjà disque de platine. Et actuellement, ils en sont à 3 disques de platine. Genre, ça fait 3 fois qu'ils vendent 100 000 copies de leur album. 3 fois 100 000, 300 000, vous êtes pas bêtes. Les mecs sont en train de faire un truc monstrueux. Mais d'où ça vient tout ça? Pourquoi ça marche autant? Étant pas un pro de ce genre de musique, je pourrais pas vraiment vous répondre. Mais ce que je peux vous dire justement en tant que non-connaisseur, c'est que je les trouve différents des rappeurs habituels. Déjà, leur gueule, en bien ou en mal, c'est pas la même. C'est délire un peu bagasse. Avec grosse barbe, cheveux longs, ça reste inhabituel. Des clips super beaux, épurés. Pas de meuf, pas de grosse caisse, pas de drogue. Bon, si, la drogue, on n'y échappe pas. Bah, je fais pick-up dans l'escalier. Mais pas en mode blabla sur la drogue pour montrer les thunes et tout ça. C'est plus dans le sens qu'ils vont raconter une histoire par rapport à ce qu'ils ont vécu par rapport à la drogue, les flics, tout ça. Ils se sont lancés dans un truc que je trouve sympa aussi. C'est de faire une suite de clips dont le premier épisode est Nara. Nara, Nara. Mmh, ok, je m'en balais. Le deuxième, Onizuka. Onizuka. Et le troisième, Bene, apparemment, qui devrait pas tarder à arriver. Ce qui rend d'ailleurs très impatient leurs fans. Et ce principe dans le rap, on l'avait jamais vraiment vu. Et en plus de ça, moi je m'attendais à des grosses voix agressives de mecs qui vont venir niquer ma mère, ma soeur, mon père, la soeur de ma mère, la tante de la mère de ma cousine. Mais eux sont dans un délire un peu plus posé. Bon, les textes sont pas plus romantiques pour autant, vous me direz. Suce-moi, merci d'avoir douté de moi.
Mais genre t'as pas des grosses instrus avec au taquet de basse en mode trap. C'est plus calme, plus aérien. Et en écoutant à tête reposée avec des bonnes enceintes, vous verrez le taf qu'il y a sur les instrus, mais aussi au niveau des voix. Par rapport aux effets d'écho, de réverbération, c'est assez kiffant. Même si techniquement les instrus c'est pas eux qui les font. Ils ont juste des goûts assez bons pour les choisir. En même temps, quasiment aucun rappeur crée ses propres instrus. À part... On m'appelle l'OVNI. Je trouve que les PNL donnent un côté un peu plus sensible à leur musique sans passer pour autant pour un vieux mec fragile. Oh, je rigole, bébé. Et ça, ça change. Je m'étais pas rendu compte qu'ils marchaient à tel point qu'ils avaient un public international qui les amènerait à bouger aux US pour le Coachella. Donc je pense qu'au lieu de faire nos bons français, ni ni ni, des rappeurs à Coachella, c'est nul pour nous représenter, comme je pensais faire au démarrage, je vous propose plutôt de vous pencher un peu plus sur le duo. On aime pas, en attendant, ils méritent qu'on leur prête de l'attention. Et pas uniquement sur leur coupe de cheveux si possible. Ils ont le mérite de marcher à mort, d'apporter une nouvelle touche un peu plus calme sur le marché du rap, de jolis clips, de types simples qui ont l'air de pas se raconter. Je suis pas méga fan personnellement, mais je comprends que ça puisse plaire. Donnez-moi votre point de vue sur ces types dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre. Ça, c'est la TR-808, la plus connue. Mais t'as aussi la TR-707, TR-606, TR-505, mais pas la TR-404. Ils l'ont pas trouvé, erreur 404.